Eh bien, coucou les amis, on se retrouve sur une petite vidéo toute simple. Donc on est dans ATS. Donc vous voyez là, on a un magnifique un International i, donc un i 9400, équipé avec les chaînes, vous voyez, par derrière, un peu style combat de l'extrême. Les gyrophares, j'aime bien où ils sont disposés aussi. Pas mal. Voilà, il a une rampe de gyrophare à l'avant aussi, des flash LED pour les combats exceptionnels éventuellement. Et donc là, je vous montre un petit peu ce qu'on va aller charger. Donc là, on va prendre le. Ah, c'est une surprise après tout. Allez, on y va. Je vous montre. Nous allons prendre. Voilà. Nous allons charger à le plus gros tracteur jamais construit de série. Il y a un Case Steiger, un 620. Là, bien sûr, ils mettent un Casa 800, mais bon, c'est un Case Steiger, voilà, un 620, donc c'est un bon tracteur hein, malgré tout, notamment dans farming, mais pas que. Donc, je vous montre un petit peu la rampe de gyrophare. C'est parti. Vous voyez, les gyrophares sont très très fonctionnels. Hein. Voilà. Bon bah allez, on y va, hein. On va pas y coucher là. Allez, c'est parti. Ça va être chaud, c'est pour sortir. C'est un interne.
Allez, on prend l'autoroute, on se casse. Donc il est assez bruyant ce camion, mais moi je trouve qu'il tire bien quoi. Ouais, il tire pas mal et ça me plaît bien quoi. Mine 2. Donc c'est un bois de 10. Ouais, vous pouvez mettre d'autres vitesses. Moi j'aime mieux 10, je m'y retrouve mieux dans mes vitesses. Je trouve que c'est mieux. Alors, je vais vous montrer où on va, parce que je vous l'ai toujours pas dit. On va regarder ça. Donc nous allons de... dans la carte du monde. Donc on part de Los Angeles, comme dirait l'autre. On passe à Barstow, Kingman, Flagstaff, Holbrook, Gallup, Gallop. Ah oui, il y a des nouvelles... enfin, que j'ai pas été voir. Bloodlum, Bubkirk, Santa Rosa et Vaughan. C'est ici qu'on va à RAL Export. Voilà. Donc voilà. Donc ça fait 1531 bornes. Donc je pense pas que je vais tout faire dans la vidéo. Voilà. Donc si toutefois la vidéo vous plaît, voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de mon camion. Il est tout simple, il est sobre, hein, bien entendu, mais voilà. Voilà. Dans cette vidéo un peu sous la neige, voilà, moi j'habite vraiment la région centre. Et perso je veux plus rien parce que dans ma chambre c'est un Velux. Et le Velux est entièrement recouvert de neige, donc c'est la fête. Donc voilà, voilou. Donc j'emmène cette cargaison, vous avez bien compris. Avec ce super beau camion, voilà, voilou. Voilà. Donc comme je vous explique, vous voyez, il y a des gros, belles chaînes. Il est pas mal du tout. Hein. Il est sur tous les sites de mode. Voilà. Donc les roues, c'est un mode aussi. C'est des roues. Moi, je sais plus très bien le mode que c'est, mais. Enfin bref. Les flashettes, même le pack de remorque, c'est aussi. Dans la Steam Workshop. Ah. Ouais, si tu disais, c'est dans le Workshop Steam. Un pack de remorque, ça s'appelle de louche, un truc comme ça. Il a un peu un nom comme ça, le pack. Enfin voilà. Ah ouais, bah il peine un petit peu. Hein. Faut quand même voir qu'il a une lourde charge. Et sur un dolly en plus.
Alors, il est vrai que j'aimerais bien que dans ATS, ça fasse comme dans ATS2, qu'il fasse un DLC avec les escortes. Ça serait vraiment pas mal, perso. Ouais, perso, j'aimerais bien, quoi. Ça devrait péter, quoi, pas mal. D'ailleurs, je me ferai peut-être une petite vidéo là-dessus bientôt. On sera dans ETS2, mais avec un camion d'ATS. Bon, allez, le Club Sable, là, t'avances.
qu'il y a des belles maps en construction, hein. Ils sont en work in progress, mais voilà. On va dire les mappeurs, ils ont pas fini de les concevoir et je parle entre autres de BZH, hein, parce qu'il fait du très bon travail. Perso, c'est que ouais, j'aime bien son taf, quoi. Il fait des belles maps. Les choses sont bien faites, les triggers sont bien. Quand vous reculez quelque part pour décharger de la terre ou en prendre, des choses comme ça, c'est nickel, ça va impeccable. Il n'y a pas de... de bien fait, quoi. Là, la super carte qu'il est en train de monter, perso, elle est géniale. Elle va être super belle, quoi. Bon, il l'a pas fini, il a dit qu'il faudra un mois ou deux éventuellement pour la terminer. Voilà. Mais ça reste vraiment pas mal, quoi. Bon alors la police, t'avances, tu fais quoi là? Tu vas faire une crêpe Suzette. Attends que tu freines pas, ça va. Bon, allez, je te double. Allez, adios. De toute façon, on va sûrement me redoubler. Ah ah, j'ai une ambulance. Bon, tout d'abord... tant que l'ambulance, personne qui me double, il n'y a pas de gyrophare, moi, je continue. Bon, allez, voilà. Donc, nous avons fait, nous n'avons fait que 200 km. Ça fait un peu jeune, quoi. Hein. Le réflexe, j'ai juste mis le bon petit coup de volant, vous avez vu ça, pour pas niacter les plots. Ouah, ça va être temps d'axe. Allez, on y va, on va bien voir. On va retourner dans la cabine. En fait, le camion de devant, il est pour rien du tout, mais bon. La
m'a amusé de klaxonner, c'était marrant. Voilà. Donc je parle pas beaucoup comme vous l'avez remarqué, mais voilà, c'est pour vous laisser apprécier aussi le bruit du camion. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la route, il y a beaucoup de gens en panne, des voitures en feu, des travaux, tout ça c'est un mode even, ouais un truc comme ça, mode even. Ah bon d'accord, oui ben on a compris, on va se faire arrêter, on va se faire poser. Ouais je sais que je suis gros mais bon ça va. Enfin, de le rappeler qu'il faut se faire peser. Bon, on passe à l'inspection. Allez. Alors, on démarre. On va refaire une petite session. La prochaine aire de repos, j'arrêterai l'épisode et on partira le prochain coup, la prochaine vidéo éventuellement. Nous repartirons vers Vaughan. Je dis bien éventuellement, hein, c'est pas voilà, c'est pas du 100%, on verra. Tout dépend si ça vous a plu ou pas. Voilà. Ah la vache, le méga accident. Là, il y a une méga montée. Bah, il tire pas, oh, bordel. Merci, mon pote. Ah, parce qu'avec la charge que j'ai, si j'ai pas d'un peu de vitesse, bah, je monte pas la côte là. Parce que même le bahut, s'il est bon, c'est quand même. Quand même du poids et voilà. Et là vu qu'il y a des mers ligne droite, faut envoyer du steak là. Là je suis à fond. Ah je suis plus au plancher là. Ah j'envoie du steak, du couscous, du tartare, du pâté. À fond, on est dingue. Allez. Coupe-moi ça.
vois des lumières au fond là, pas devant nous. Je sais pas si on arrive devant une ville ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Ah, c'est quoi cet hélicoptère? Bon, nous arrivons donc à la, comme convenu, à l'heure de repos. On va s'arrêter là pour cet épisode. Voilà, ça fait un épisode de 26-28 minutes à peu près. Enfin, pour l'instant. Fuel. Tant qu'à faire, autant faire le plein. Ah, t'as quand même soif. Voilà, c'est parfait. Bon ben voilà les amis, ben écoutez, on va se laisser ici hein, pour cette petite vidéo toute sympatoche. Je vous dis ben, à très bientôt et je vous souhaite une bonne vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao les amis.